Bienvenue à tous! Aujourd'hui, nous allons réaliser ce carrot cake moelleux. Personnellement, j'adore sa texture. Pour cela, il vous faudra 3 à 4 carottes, soit 250 à 300 g de carottes, 4 œufs, 150 g de cassonade, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de cannelle, 15 cl d'huile de tournesol, coco, olive ou autre, 220 g de farine et un sachet de levure chimique. Pour commencer, épluchez les 4 carottes, puis râpez-les. Réservez les carottes de côté. Préchauffez ensuite votre four à 175 degrés. Dans un récipient, cassez les 4 œufs, versez la cassonade et le sucre vanillé, puis mélangez pendant environ 1 minute pour dissoudre le sucre. Ajoutez une cuillère à café de cannelle et l'huile et mélangez jusqu'à homogénéité. Tamisez la farine sur la préparation afin d'éviter les grumeaux par la suite. Tamisez ensuite la levure chimique et mélangez jusqu'à homogénéité. Enfin, ajoutez les carottes râpées à la préparation et mélangez. Beurrez et farinez un moule à cake. Ici, c'est un moule de 25 par 10 cm. Versez la préparation dans le moule et enfournez à 175 degrés pendant 45 minutes. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau. S'il ressort plein de pâte, c'est qu'il n'est pas cuit. Vous pouvez enfourner 5 minutes de plus. Au bout de 5 minutes, vérifiez à nouveau la cuisson. S'il ressort tout propre, c'est que c'est bon. Laissez ensuite refroidir, puis démoulez le gâteau. Normalement, il se démoulera très facilement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez décoller les bords à l'aide d'une spatule pour aider au démoulage. La recette est terminée, j'espère que ce carrot cake vous plaira. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de recettes faciles et rapides pour le goûter.